Monsieur, c'est vous. Votre voisin m'a dit qu'il vous avait vu rentrer ici. C'est la panique au théâtre, on vous cherche partout. Des problèmes avec les gens. Vous retardez, Jérémy. Si ça a marché, c'est que Simon le Guémeneur, un certain Loïc le Floc et une gentille Odette Auffray ont fait des très beaux chats. Vous comprenez? Miaou, 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 tcha, tcha, tcha. Seulement parfois on croit que les gens c'est des chats, mais ça n'en est pas. Hier, un petit chat est mort et c'était pas un chat, le fumier. Sinon ce matin, vous l'auriez eu le texte. Votre désarroi, si y en avait qui ça marche pas. C'est pas du désarroi, c'est de la lucidité. Mais ne dites pas n'importe quoi. C'est enlevé, c'est rythmé. Aucune longueur, on arrive au dernier acte dans un même souffle. Le dénouement est proche, on va savoir qui a tué Momo. Oui, bah personne ne saura parce que moi j'arrête. Il n'en est pas question. Vous entendez? Vous avez pas le droit. Doucement avec tes menaces, machine du bain. Je suis pas une page près maintenant, hein? I'm a serial writer now. Arrêtez. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être toi l'acte 5. Arrêtez! J'ai une idée pour l'acte 5. Ceux avec qui ça marchait, ils portaient des noms bretons. Vous devriez réessayer avec des bretons. Qu'est-ce que c'est un acte pour une région aussi grande? Avec son folklore de mes couilles, c'est pignou. C'est chapeau rond. C'est con, un breton, ça sert à rien. En plus, il fait jamais beau. Je sais, je suis breton. Soyez franche. Il n'y a pas une longueur à la fin de l'acte 4. C'est la respiration avant le dénouement. Bon sang, vous dites pas ça pour me faire plaisir. J'ai pas l'air franche.